Salut tout le monde, nous revoici sur Prison Architect, épisode 11, et bon, peut-être dernier épisode. Peut-être dernier épisode parce que, bon, il faut être d'accord, ça va pas. Ça va pas, il y a un truc qui foire. Alors je sais pas hein, si j'ai trop de gardiens par rapport au... C'est un bordel ici. Par rapport aux gardiens, mais bon. Faudrait que j'optimise ça, mais voilà, je me dis pourquoi ne pas repartir sur de bonnes bases, je l'avais dit. Et revendre cette prison. On va quand même refaire un peu, voir si on peut pas améliorer les choses. Ça a sonné là. Ouais, fouille-le. Fais ton boulot, s'il te plaît. Parce que bon, niveau patrouille, on en est où? Je sais plus où c'est, itinéraire de patrouille. Parce que c'est pas si mal, mais tiens, il manque des gardes d'ailleurs ici. Il manque des gardes chenilles, il manque un garde armé. Mais alors, deux gardes armés et deux gardes chiens. C'est peut-être un peu trop. Ici, c'est pareil. J'en ai mis un peu partout dans le doute. Mais faudrait peut-être optimiser ça. Alors qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent encore ces... Non bah ils travaillent. Ils travaillent, ils sont à fond en fait. Ils font plein d'autres trucs mais... Ces travailleurs, poubelles, tout ça. Alors peut-être... Peut-être hein. On dirait... Ah, il y a un problème. Petit problème. Peut-être que il faudrait recruter d'autres travailleurs parce qu'apparemment ils font pas que les murs, tout ça quoi. C'est pas que des ouvriers. C'est aussi ils débarrassent aussi un peu les poubelles on dirait. Alors je pensais que ça aurait été les nettoyeurs qui faisaient ça mais bon. Apparemment, apparemment ils s'en foutent. Je pensais que ça allait me refaire un autre mur, des autres murs ici. Bon, c'est pas grave. Pourquoi elle va pas celle-là? Et voilà, hein, toujours ce niveau de contrebande élevé, pourtant... pourtant, il y a tout, hein, il y a des détecteurs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Il y a des gardiens partout, il y a des chiens pour renifler s'il y a de la drogue, je sais pas moi. Hein. Derrière, je sais pas trop quoi faire. Et relis ça s'il te plaît, on n'en a pas d'autres? J'aurais oublié. Ceux à la porte, non, je les ai mis à la porte. Ça a l'air d'être ok. Bon après, il y a moyen d'optimiser cette prison, hein, mais toujours pareil. Hein. Le fric. Le fric, le problème, quoi. On va quand même essayer de rendre ce truc viable. Et peut-être atteindre... hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah là j'ai déconné sur la dernière. Ah ça va être beau, ça va être dégueulasse. Quoi? Ah ouais j'ai plus de fric. Ah ouais voilà. Ça va à une vitesse. Alors bizarrement, je touche 2000 de thunes là, par jour. Et je sais pas, j'ai viré personne. Il faudrait m'expliquer comment ça marche le fric là, hein, parce que... Ah, ils ont besoin de téléphone et tout, hein, c'est téléphone à gogo. Ah, c'est le bordel. Mais c'est juste avant, quand j'ai commencé, je gagnais 1000. J'ai rien fait depuis, hein, vous l'avez vu, hein. J'ai fait 2-3 bricoles. Qu'est-ce que... Chaine garde, comment ça? C'est quoi ça? Bah ouais, mais il y a un petit drapeau, mais c'est quoi? Il est disparu le drapeau. On sait pas, on sait pas.
Il y a un mec qui avait placé un drapeau en se disant bon ben faudra que je creuse jusque là. Je sais pas. Peut-être ça hein. Mais ouais pareil hein, ouais, niveau de contrebande, on sait pas comment ça marche. Alors j'ai touché 20 000 parce que j'ai fini mes cellules. Bah, j'en ai un nombre, j'en ai une centaine quoi. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien, on va tout de suite tout claquer. Structure. Allons-y. Allons-y gaiement. On va faire un truc comme ça pour commencer, peut-être. Et un petit couloir ici pour accéder au reste. J'en sais rien. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une cour. Une cour. Hop. Alors ensuite, on va faire voilà, on va faire tout de suite la. La cuisine, cuisine et salle à manger. Alors j'ai tout fermé maintenant, donc ils peuvent plus y aller, c'est ça l'idée en fait. Ils peuvent plus finir. Qu'est-ce que. Ah ouais, ça fout la merde, c'est. J'avais oublié ça, ils sont pas foutus de démolir ça. Je fais ça, je démolis ça. Ensuite. Cantine. Cantine et cuisine. Petite cuisine. Un petit peu léger la cuisine peut-être. Ça va être fort léger. Ah, ça va être le minimum syndical. Alors peut-être pas deux. Je vais quand même mettre une poubelle. Alors du coup, vire ça. Poubelle. Tac. Et un frigo. Et non, j'ai dit frigo. Mais. Hop. Évasion. Comment ça, évasion? On avait vu hein, son tunnel. Ah, ils sont chiants. Hein. C'est pas possible. Et merde. Hein. Il est parti de où? On voit pas son tunnel. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, attention? Attention à quoi? Nécessite une entrée. Pourquoi? Bah non. Ah, parce qu'on a enfermé le jardinier, apparemment. C'est possible. C'est possible aussi. Du coup. Porte du personnel par ici. Et là, si on ouvre par ici, ça fait quoi? On rentre dans la cour, ouais, c'est bon. Porte du personnel aussi. Hop. On va quand même essayer de rendre ce truc relativement viable.
Bon alors, ici. Paf. Bon, ils devraient pas être trop nombreux, hein, donc je me dis, ça sert à rien de blinder le truc. Ouais, je vais mettre un deuxième au cas où. Ok. Niveau élect, c'est ok. Hop. Niveau eau, en revanche, on n'est pas bon. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas d'eau qui arrive jusqu'ici. Alors, hop. Ah, mais arrête tes conneries, toi. Donc ici, on avait dit, ça va être le quartier des gentils. Petit quartier. Du coup, je verrai ici, faut peut-être mettre une porte un moment. Non, j'ai dit une porte. Hop. Et et un peu de détecteur tout de même. Alors c'est où les détecteurs? Alors on va en mettre, hop. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut une cour, bon ça c'est plutôt facile. Après peut-être une infirmerie pour eux. Une douche, douche. Accessoirement, peut-être leur faire une douche un moment. J'ai mal optimisé ça, mais quoique. Quoique. Alors est-ce qu'il y a des. Admettons, douche, c'est où? Douche. Ah, on voit pas. Est-ce qu'il y a un prérequis? On voit les prérequis normalement. Là, on s'en fout, douche. On s'en fout, donc j'ai envie de dire, on fait une petite douche en longueur. Je sais pas si on va pouvoir faire une connerie comme ça. Pourquoi pas? Ah, on pourrait s'amuser à mettre du plancher, hein, mais j'ai déjà plus que 5000 de thunes. Douche, on avait dit. Alors, ils vont me dire que ça va pas, hein, à tous les coups. Pomme de... Ah bah non, mais c'est bon. C'est bon, ils s'en foutent, eux, de la taille. Ah, ça va être convivial, cette douche, je le sens. Comme on les aime, hein. Bon, du coup, je me suis peut-être un peu emballé pour la douche, parce qu'il y a beaucoup de douches là. Bon, ils seront bien. On va dire qu'ils seront bien. Hop. Ça gueule dans la prison là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Calmez-vous tout de suite, hein. Douche, ok. Alors douche, alimentation d'eau. Et maintenant, on avait dit peut-être une infirmerie. Ah, c'est vraiment de... Là, c'est la base, hein. C'est la base. Alors je fais un truc comme ça pour laisser vraiment un petit couloir.
Est-ce qu'il y a moyen de faire une infirmerie comme ça? Alors, ici on ouvre, ici on ouvre. Nous manquons sérieusement d'argent. Bah ouais, mais je sais, je claque tout. Je sais bien, mais c'est un problème. On faudrait peut-être agrandir, mais faudrait acheter le truc au-dessus. Comment ça? Ouais, non. Je crois qu'ils étaient déjà dans mon truc de prison. Il y a personne qui est là. Mais si, ils ont déjà mis des mecs. Qu'est-ce que c'est, toi? Pince Monseigneur? Non, c'est coupe. C'est un. Ah. Une tenaille? Bah, pas une tenaille, mais un. Pour les arbres, quoi. Pour couper, pour tailler. Et un couteau. Et... Déjà, c'est pas mal, hein, déjà. Toi, tu vas aller en cellule de dégrisement, je le sens. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? On avait dit. On avait dit quoi? Bureau? Alors, non, c'est infirmerie, alors c'est autre chose encore. Ça ressemble à quoi l'infirmerie? Je ne sais plus. Ça, j'ai fait le tour, je l'ai pas vu. Je suis allé un peu vite. Armurerie, non? Infirmerie. Décidément. Donc hop, infirmerie. Et ici. Ah, des petites cellules d'isolement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est un peu la misère, il n'y a pas la place. Ça aurait été pas mal. Alors il faudra faire des cellules d'isolement aussi, on y pensera. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Petit truc de nettoyage. Alors c'est quoi? Buanderie, non. Salle de courrier, salle de... Non, non, salle commune. Ah, une petite salle commune. Ouais, pour se détendre pendant les temps libres. Allez. J'espère qu'elle est bonne, là. La salle commune a l'air d'être bonne. Ça me coûte un bras, tout ça. Le marteau, le ciseau. Voilà, je sais pas, je sais pas. Je sais pas quoi faire pour cette contrebande, il passe tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que je dois être encore plus sévère pour... Je sais pas, hein. Peut-être. La cuisine n'est pas alimentée. Les caméras, ici j'en ai pas mis. Ouais, non, mais concrètement, il n'y a pas assez de trucs ici. Bon, c'est des sages, on va dire qu'on n'a pas besoin de mettre de caméras. Vraiment. La salle commune. On leur met une petite télé, quand même. Pif paf. Et un petit détecteur à l'entrée, quand même. Et une radio. Ouais, ils vont être bien. Hop, mur et porte, ouais, c'était ça. Porte personnelle, porte standard. Je sais pas quoi mettre pour. Je sais pas l'infirmerie. Porte standard, mais. Faut pas qu'ils aillent piquer des trucs dedans, quoi, c'est ça. Ça le délire, quoi. Niveau élec, on en est où là? Parce que c'est un peu léger ici. Ça se fait que tu peux pas le mettre là. Ah ouais, d'accord. Je fais paf. Mais je fais un petit contour ici. Et là, je rattrape comme ça. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais et comment ils ont fait pour aller jusque-là? D'ailleurs, j'ai pas ouvert ces cons là. Ah putain, c'est pas possible, hein, les mecs. J'ai pas encore fini. J'aurais pas dû, hein. J'aurais pas dû. Bon, mets un mur ici. Mets un mur ici. Je voulais descendre en fait, mais on va plutôt faire une ouverture dans la salle de classe. Et tout ça, voilà, tu jettes. Tu jettes, tu t'embêtes pas. Ah,
Hop. On refait un truc dans ce style. Pif. Ça, on démonte. Et donc, pièce, on va dire que là, c'est quoi? Pièce vide. Hop. Et du coup, on remet. Un fameux détecteur ici et un détecteur ici. Et mon mio, mon détecteur. Ok, maintenant, alors ouais, ça, la pièce. C'est ok. Ah c'est bon, j'ai fait un petit passage, c'est d'accord. Arrêtez de passer par l'extérieur quoi, sur tout ça, parce que c'est-à-dire qu'ils ont amené des prisonniers et les ont fait sortir par l'extérieur pour les ramener jusqu'ici quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, depuis tout à l'heure, j'ai pas tellement regardé les besoins. Ils en sont où? Détente, famille, exercice, hygiène, c'est la misère, liberté. Bah liberté, les mecs, je veux bien, mais moi je vous donne pas plus de liberté, faut pas déconner. On en est où? On en est où? Alors déjà, il faut que je regarde. 34 de sécurité moyenne, 10 de sécurité basse. Sécurité basse, combien on peut en prendre? Alors ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, mais ça d'abord, il faut le désigner. C'est ici. Donc, tout ceci, voilà, on est d'accord. Tout en bas, c'est haute sécurité. Ici, on va dire basse sécurité. Ah merde, c'est pas séparé. Si je fais ça, ça fout le bordel, ça prend tout. Donc, il faut mettre des portes. Bah, j'imagine qu'il faut mettre des portes. Mais ça me va. Hein. Ah, une grande porte, ça passe pas là. Ah merde. Une petite porte ici. Ah bah j'ai non, c'est juste que c'est juste que j'ai pas de fric. Ok, autant pour moi, je me suis un peu emballé à un niveau construction, mais ouais, je suis en déficit. Déconnez pas. Déconnez pas. Vite, prends des mecs. On s'en fout. Et toutes sortes. Arrivez dans 1 heure. Eh mais c'est bien, ils arrivent vite. Ah c'est cool. On va même accélérer le temps, paf, on va les voir arriver. On n'a pas eu de moment critique encore. Hein. Bah, depuis la dernière fois, hein, depuis qu'ils ont essayé de me virer, depuis ça va. 9000 boules qui arrivent direct. Bah, voilà, c'est bien. C'est bien. Un peu de diversité, apparemment, ça aide. Peut-être. Donc, on voulait faire des portes pour définir. Définir. Ouais, il vient la mettre sa porte, très bien. Bon, maintenant, alors ralentissons un peu le temps. J'ai pas mis de caméra, non, on a dit qu'on s'en foutait. Donc ça, si je fais ça, hop, ouais, c'est que ce bloc. Donc, basse sécurité. Tout ça, c'est basse sécurité. Hop, ça aussi, hop, cuisine et hop. La cuisine, ouais, on s'en fout en fait. Je sais pas. Il leur faut une cour, bien sûr, il leur faut une cour, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et du coup, sécurité moyenne, c'est ici. Alors là, va falloir compter. Parce que... atelier, pareil. Ah ouais, mais du coup, ça fout la merde, parce que... Bon, c'est pas grave. La morgue, hein, y a que les gars de la sécurité moyenne qui ont le droit de crever. Apparemment, sinon ils ont pas le droit d'aller... Hop, parloir. Ah ouais, parloir, c'est pour tout le monde aussi. Ah non, parloir, c'est pour tout le monde. Il faudrait que j'en fasse pour chaque truc des parloirs. Ouais, ça devient un bordel là aussi. Il faudrait faire des entrées différées, quoi, limite. Bon, on va dire que ça va comme ça. Mais du coup, faudrait compter combien j'ai de sécurité moyenne et bien remplir tous les box. Parce que là, j'en ai peut-être pris un peu trop de sécurité basse. Bon, ok. On va dire que c'est bon pour l'instant.
Ensuite, on va quand même. Ça peut peut-être manquer ici. C'est recruter un médecin qui va aller se claquer dans cette infirmerie, très bien. Et un cuisinier. Parce qu'à un moment, il faut peut-être, va peut-être falloir travailler. Et il va où, lui? Pourquoi il fait tout le tour, ce con? Alors qu'il sort à droite, là? Il part par là et l'entrepôt est en bas. Hein. Parce que là, je sais pas où il va chercher la bouffe, mais... C'est pas semblant, le mec, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, il est allé trop vite. Comment ça? Une personne est morte. Ça arrive. J'ai envie de dire, ça arrive. Mais ouais, mais ils sont tous en isolement, les mecs. C'est vraiment des branleurs. C'est fou. Bon, après, voilà, haute sécurité, je m'attendais à quoi? Mais quand même, quoi. Bon. Ce petit bout de prison a été fait, il manque une cour. Il manque une cour, donc. Il manque une cour, donc. Paf. On va faire ça. On va faire un truc comme ça, on va voir. Pour changer. Oh, je leur fais une belle cour là. Hop, et ici une grande porte. Et ici une petite porte pour dire de pouvoir sortir. Et du coup, ouais, du coup, clôture quoi. Double clôture. Je sais pas, ça va me coûter un bras encore cette connerie, mais. Ça va encore, la clôture ça coûte pas trop cher, ça va. Et là, je désigne comme cours. Il faut que je retrouve cours dans tout ce bordel. C'est ici. Bon, mettez une porte là parce que sinon, ouais, ça va se voir. Ok, très bien. Et donc c'est ok, ils peuvent aller se balader en chantant la la la. Bande muscu. Bon, ils peuvent quand même se muscler un peu les mecs, hein. Pas de raison. Hop, voilà. Pour dire d'aménager un peu la cour, tout de même. Et ça manque des lecs, ça manque des lecs. Y a pas de problème, on va en mettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été propulsé là-bas? Ça passe déjà des trucs, foutez de ma gueule. Ah ouais, mais les nettoyeurs. Nous manquons sérieusement d'argent. Mais ça va! Et alors, bizarrement, là, il y a quand même 4000 qui rentrent par jour. Alors, ma prison serait-elle viable? C'est ça, c'est impressionnant, hein. Vu comment je fais ça, c'est quand même assez étonnant. Mais ça a l'air d'aller. Bah, disons qu'il y a toujours le problème de contrebande, le comptable qui vient toujours casser les couilles. La comptable, hein. J'insiste là-dessus parce que bon. Ça, bon voilà, c'est mon côté mec, hein, mais forcément c'est une gonzesse, elle va casser les couilles quoi. C'est mon côté macho. Bon ici on pourra agrandir du coup. Hein. Non mais non, vire pas ces deux murs. Voici. On pourra agrandir mais qu'est-ce que c'est? Ouais, tase-le ce fumier. Ah ouais, bah ouais, tu fais moins le malin avec. Un coup de taser entre les burnes. Ah ouais. Ah c'est sûr, hein, ça calme, hein, ça calme son homme. Ah bon. Ah je sais pas, hein, je sais pas si je peux. Mais parce que bon, il y a encore pas mal de trucs à faire, hein, que j'ai pas fait. Mais bon, le but, voilà, je l'ai dit, hein, on va vendre cette prison. Mais disons que c'est la fin. C'est la fin de ce let's play. Et je vais attendre un peu avant d'en refaire un. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. C'est juste que beaucoup de choses à gérer. Et ça fait longtemps que je me suis pas mis dans un jeu comme ça. Donc de gestion, entre guillemets. Entre guillemets, non. Mais voilà. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Mais ça reste très intéressant. Et on est encore au-dessus de la haute sécurité, je crois, hein, au niveau admission. Voilà, c'est verrouillé, couloir de la mort, j'ai pas fait tout ça.
Ouais, y a encore des trucs à faire, mais alors je pourrais continuer, vous me direz. Je pourrais continuer. Mais c'était vraiment ma première partie officielle, entre guillemets, hein, parce que j'avais fait une partie juste avant, mais c'était vraiment pour apprendre les bases et me dire, bon, bah, je commence à let's play, au moins que je sache un peu des 2-3 conneries et que je galère pas trop dans les menus, même si, bon, vous l'avez vu, je galère quand même un peu. Mais voilà, c'était le but. C'est le but là, là c'est ma vraie prison où je me dis allez on va essayer de faire quelque chose de concret. Mais le fric, hein, voilà, regardez, ça oscille encore, on est reparti, on est repassé en dessous de 1000, on est à 1300. Je sais pas. Je comprends pas. Et donc vendre cette prison, ce que je disais. Et aussi alors c'est quoi? Capacité de 200. Ça n'en finit plus. Et peut-être faire une prison de femmes, c'est possible s'ils me donnent l'opportunité. Parce que je sais que il y avait moyen de choisir au début. Bon. Je me suis dit, je suis un homme, je connais les besoins d'un homme. Bon, jamais été en prison, alors. Je sais pas, mais. Mais disons que dans l'absolu, je maîtrise mieux le sujet. Mais pourquoi pas se faire un petit délire comme ça? Je sais pas ce que ça pourrait changer, rien, j'imagine. C'est juste pour dire de faire des. Prison de femmes, quoi, mais bon. Mais disons qu'on s'intéressera un peu plus aux douches, du coup. À moins que voilà, hein. À moins que ce soit des femmes camionneuses. Et là, du coup, bon. Disons qu'on mettra pas de caméra dans les douches. Le niveau de contrebande, mais je sais. Je sais. Alors, toi, tu restes dans ton bureau, chef. T'arrêtes pas de me donner des ordres, mais à un moment, sors-toi les doigts. Hein, et vas-y. Va, prends ton taser et vas-y, quoi, fais quelque chose, parce que moi, j'ai fait mon max, là. Bon, apparemment, y a mieux, y a mieux à faire, mais... Alors, on pourrait faire une ronde ici, mettre des gars ici. Mais on va dire qu'on s'en fout. Prisonnier 86, mais alors... Aïe. Ouais, y en a des contents, des pas contents, mais après, on n'a pas fait... S'il faut faire à chaque fois le tour de chaque prisonnier... Ah oui, ils font un peu la gueule. Ah ouais, ils font tous la gueule même. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de mecs contents. Alors, il y aurait un problème. On aurait un petit problème apparemment. C'est possible. Assigner un garde. Hop, tout de même. Donc du coup, ça serait ici. J'ai 14 bases sécurité. Mais du coup, c'est mon max. Je crois, on avait compté. Hein. 3, 3, 6, 7. Ouais, c'est ça, 14. C'est marrant ça. À moins qu'ils m'ont. Du coup, ils les ont jartés les autres, ils ont fait quoi? 14, donc 14 de basse sécurité, on est d'accord. Haute sécurité 36, je pense qu'on pourrait en mettre plus. Et sécurité moyenne 36. C'est pareil. On pourrait certainement en mettre plus. Donc voilà aussi le but. Le but de refaire une prison, c'est de se dire faire des. Admettons, hein, mais des blocs de 10 cellules. Comme ça, j'ai pas besoin de recalculer. Je sais que j'en ai 10, 20, 30. Je fais des. Voilà. Je fais des lots de 10. Là, j'y suis allé un peu. À la va que je te pousse. Bon, mon côté porte automatique, je sais pas hein, si c'est efficace. Ici, ça merde pas. Mais on a vu, hein. On a vu là-haut. Sur cette porte, juste la porte d'entrée en plus. Hein, c'est pas trop. C'est pas. Voilà. Pas trop nécessaire cette porte. Hein. C'est le pilier de la prison, quoi. Et ça foire par moment. Donc, bon. À voir si on fera encore des trucs automatiques. Mais bon. Pour résumer, je suis plutôt fier de ma première prison. J'ai failli me faire virer, mais non. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve, bon, certainement dans quelques semaines pour ma deuxième prison plus élaborée et plus réfléchie. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut.